Oh là là, va falloir que je me réveille bien puisque là je vous explique. J'ai ma coach de padel, sinon elle est dégoûtée. Parce que là je vais pas avancer, c'est vrai. J'ai mal partout en plus d'hier. Du padel d'hier. J'espère que je vais être meilleure. Du coup j'ai repris un cours aussi pour mercredi. Donc voilà, j'aurai lundi et mercredi, c'est bon à un moment donné. Je veux m'améliorer, je veux kiffer, je veux arrêter de repartir dégoûtée. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous savez que ça y est, j'ai réussi après quelques mois maintenant, après je sais pas combien de mois. Attendez, je vais regarder. Du coup, je vous ai mis la capture, donc je savais pas, ça fait 4 mois maintenant que j'ai arrêté de fumer. Donc depuis 4 mois, je ne buvais plus de café le matin parce que en fait, j'avais dû enlever ma routine. Café cigarette. Je vous dis une grosse bêtise. Depuis 4 mois, j'ai arrêté de fumer, mais depuis au moins un an, j'avais arrêté le café avec la cigarette le matin. Voilà, donc en fait, j'étais obligée d'arrêter le café avec la cigarette pour arrêter justement cette routine. Je l'avais changée par. Mais voilà, je suis très très contente à l'heure d'aujourd'hui. Mes économies sont pas grandes parce que vous avez vu, à 74 euros, c'est pas des grandes économies. Mon mari, lui, il économise beaucoup d'argent en arrêtant de fumer parce qu'il fumait 2 paquets par jour. Il a arrêté aussi depuis un mois de moins que moi, donc plus ça doit faire 3 mois et demi. Je suis très fière de lui, qui était vraiment moi en fait il y a quelques mois. Je bois du coup mon petit café et voilà, et c'est cool. Je le bois pas de suite, je le bois après avoir emmené les enfants, genre avant de partir au yoga vers 9-10 heures. Voilà, mais je bois mon petit café. On s'en fout, mais je tenais juste à vous dire que je suis contente. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vais boire mon petit café. Nos produits Gilor, ma routine du matin, donc la mousse détox, ensuite la lotion micellaire pour venir enlever les impuretés, les petits résidus, crème de jour et crème de contour des yeux. Voilà, je vous mets le code promo. Profitez parce que le moins 20% on la lève demain matin. Le lundi, c'est le moment de se fixer des nouveaux objectifs, des nouvelles choses. Voilà, j'adore le lundi, c'est trop bien. C'est voilà, tout ouvre et tout. D'ailleurs, en parlant d'ouverture, j'ai envoyé un message au bureau qui n'est pas encore ouvert. Et j'ai dit aux filles, les filles, on laisse le code promo Gilor jusqu'à demain matin. À la base, elle devait le désactiver ce matin. Donc profitez parce que demain matin, elle désactive le code promo Gilor à la même heure. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Bon, j'ai dit, on est lundi, good vibes, on va pas s'énerver. Je viens d'enculer la voiture, je viens de démonter le rétroviseur, voilà. Je ne me demandais pas comment je me suis débrouillée. En fait, je me suis pris le mur, je regardais. En fait, il n'y a pas de place pour mettre son putain de café au milieu dans cette voiture de merde, là, cette petite voiture de sport que j'aime pas, que je prends toujours la jaune. Du coup, je regardais mon café pour pas qu'il tombe sur le siège et tout, tu connais. J'ai pas regardé le rétroviseur, je l'ai enculé. Voilà, il est KO le rétro. Voilà, trop belle. Mais bon, c'est lundi, c'est pas grave. On démarre une belle semaine et voilà. Allez, bonne journée. Et surtout, on le prend pas mal parce qu'on se dit que c'est que du matériel et que ça aurait pu être bien pire, que j'aurais pu être sur une autoroute ou que là, au final, c'était à l'arrêt, c'était au ralenti, c'était dans le mur de chez moi, sur place, à domicile. Voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux ce qui s'est passé ce matin. Je rigole, mais je suis dégoûtée, hein. Je vous rassure, je suis dégoûtée. Surtout, voilà, le prix du rétro. Voilà, mais bon, on va se dire que... J'essaye de positiver là. J'essaye de me rassurer. Du coup, je bois mon café. Je l'ai un peu amer, le café de ce matin. Voilà, pour le coup, je l'ai vraiment à travers la gorge. Mais voilà, c'est pas grave. Allez, il faut se dire que c'est pas grave. Il faut se dire qu'il y a pire. Hein, il y avait bien pire. Allez, c'est un rétro. Je viens de me renverser mon café dessus dans le taxi. Je sors d'une séance de méditation, je ne peux pas m'énerver. Quand je suis arrivée sur le terrain de padel, il n'y avait pas la prof. Du coup, je me demandais où elle était. Et en fait, normalement, Manon a un cours avant moi de 9 à 10 et moi de 11, de 10 à 11. Mais en fait, Manon, apparemment, elle a décalé. Donc, je suis seule. Je vais me tirer les balles, là. Je vais démonter les vitres. Je vais enculer les vitres, voilà, clairement. Voilà. C'est pas grave. N'est-ce pas? Bon, allez, il faut voir le côté positif des choses. Je n'ai jamais démonté de voiture. Grâce à Dieu, je touche du bois, il n'y a pas de bois là, il n'y a pas rien de bois. Si le vent est en bois. Ouais, c'est la première fois que j'ai. À l'époque, si. C'était à l'époque. Mais depuis qu'on a des belles voitures, on va dire, je fais plutôt attention et j'ai jamais eu de soucis.
faut une première à tous les cas. Mais ça fait quand même beaucoup, hein. Je me suis farci une jante il y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 semaines, je me suis farci une jante, là je me farci un rétro. C'est quoi la prochaine étape, quoi? Je pense que je vais m'acheter une moto tamponneuse, ça ira plus vite. Je vais rouler un lendemain. Bon, j'ai trouvé un rouleau de scotch noir dans mon placard, mais il est trop fin pour faire des tours. Je vais scotcher mon rétro, en fait. Pourquoi je le scotcherai pas, en fait? Qui m'en empêche de scotcher mon rétro? Du coup, je pourrais utiliser la voiture. Allez, je suis partie en claquette chaussettes. Direction de trouver du scotch noir. Il y a de toutes les couleurs, mais il n'y a pas du noir. Bon, gris, ça va. Hein. Le mec, il me dit, je lui montre, je lui dis, ça, c'est bon pour coller ça? Il me dit, non, madame, non. Je dis, bah si. Il me dit, non, le noir, c'est mieux. Et du coup, je suis, ah bon, le noir, c'est mieux? Et il me dit, mais oui. Je lui dis, mais quelle est la différence entre le noir et gris? Il me dit, non, il n'y a pas de différence, c'est juste la couleur, votre voiture est noire. Je me sens, on s'en fout. Du coup, je pars avec du scotch gris, trop méchant. Donc, du coup, on continue la journée avec une bonne nouvelle, super nouvelle, pas rigolo. J'étais au paddle et puis d'un coup, donc dans le groupe des mamans de l'école, j'ai un groupe avec toutes les mamans, tout le monde s'envoie les invitations des anniversaires et tout. Moi, j'ai organisé l'anniversaire de mon fils, je vous l'ai dit, tout est bouclé, tout est ok depuis quelques semaines maintenant, sauf que j'ai pas reçu l'invitation PDF virtuelle que les organisateurs m'ont pas encore envoyée. Mais je me suis dit, tranquille, c'est pas grave, ils vont me l'envoyer là, je pense. Sauf que ce matin, pendant que je joue au paddle, je vois qu'il y a beaucoup de discussions dans le groupe des mamans. Donc je regarde, bien sûr, je rattrape le truc. Et évidemment, il y a un copain de Mylon qui fait son anniversaire le même jour que Mylon, à la même heure. Donc du coup, Mylon aura 0 copain de classe, puisque tout le monde a déjà répondu présent à l'anniversaire de son copain. En plus, le copain qui fête son anniversaire, c'est un très bon copain de Mylon qui voulait inviter à son anniversaire. Donc voilà, donc mon fils aura 0 copain d'école à son anniversaire. C'est super. Donc, c'est pas grave. Le principal, c'est que voilà, c'est qu'il y ait quelques personnes, bien entendu, mais c'est vrai que voilà, c'était sa première année avec ses copains de classe et j'aurais voulu qu'il y ait ses copains de classe. Puis même lui, depuis quelques jours, il me dit, maman, lui pourra venir, on pourra inviter lui. Je lui dis, oui, mon cœur, t'invite qui tu veux, c'est ton anniversaire. Maintenant, je suis tarpin gênée, genre maintenant que la maman, elle a envoyé l'invitation dans le groupe de sa classe, je peux pas moi arriver court-circuiter l'invitation de l'anniversaire de son fils avec l'anniversaire de mon fils. Donc j'ai dit dans le groupe, je suis un peu deg, Mylon ne pourra pas être là parce que c'est également son anniversaire. Et vous allez me dire, tu peux pas déplacer? Non, j'ai déjà tout payé. Il ne restait qu'un seul slot, qu'un seul créneau et je l'ai pris parce que c'était le seul qui restait. Déjà, je me suis pris carrément un peu en retard parce que j'ai pas eu le choix d'avoir le... Bon, et comme on continue toujours dans la même vibe cette journée, voilà, vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez entendu? Mylon, ça va mon fils? Profitez les amis, moins 30% valable sur notre boutique Bianoshi. Sur tout le site, vous avez la gamme avec les diffuseurs, les parfums. Vous avez également une bougie en cadeau, une petite bougie, profitez. On est sorti de la maison parce que sinon on allait empêter. On allait... Elle a craqué. Ah, j'ai craqué. Elle a craqué.